DG. On n'est pas. La politique, c'est pas un jeu. La politique, c'est pas. Je sais pas, c'est pas de la bousculade. La politique, c'est fait avec la tête. Mais UFDG, peut-être, ils ont péché à ce niveau-là. Je vais vous dire tout de suite ce que je pense. J'ai tellement observé. UFDG a la chance de monopoliser le jeu politique en Guinée. Mais Makoulou et Kongolo ont une guerre de rodé. Vous ne savez pas faire la politique. La politique, ça vous échappe. Plusieurs personnes aimeraient être à la place de Selou Dalé aujourd'hui pour être un roi en Guinée, pour être incontournable en Guinée. Maintenant, on va commencer notre politique et notre débat. Notre débat du jour qui concerne UFDG. UFDG, un grand parti politique sur papier. Un parti incontournable sur papier. Un parti mobilisateur sur papier. Un parti qui peut même être régional. Si je dis régional, dans la sous-région, qui peut être indexé, mais sur papier. Mais dans les faits, UFDG, franchement, vous avez beaucoup à apprendre. Les dirigeants de UFDG, vous avez à apprendre. Pour illustrer cela, un grand parti comme UFDG n'a pas besoin de courir derrière les petits partis. On est grand pour ça. C'est les petits partis qui doivent courir, venir près de vous. Et quand ils viennent près de vous, vous imposez votre dictat. Tu veux rentrer dans notre parti, voici, c'est notre condition, c'est ceci, c'est cela. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, aller dans des réunions par-ci, par-là. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Vous partez dans des réunions, on dit à réunion ici, UFDG est le premier à être présent. On dit à coalition ici, UFDG est le premier à être présent. C'est Rudel, toi seul, tu n'as même pas besoin d'allier. Vous avez commencé cette histoire-là par allier. Ouais, on est allié sans parti politique, 1000 mouvements, ainsi de suite. Vous n'en avez pas besoin. UFDG à lui seul peut faire tout ce que tous les partis réunis en République de Guinée ne peuvent pas faire. Mais pourquoi vous courez derrière ces partis? C'est pour vous affaiblir. C'est pour vous affaiblir. Continuez ce que vous avez à faire. Un parti vient, il dit, viens ici, on va faire réunion, ou refusez. Continuez votre travail. Continuez à mobiliser vos militants. Ce que je vais vous dire, hein, vous ne parviendrez jamais à prendre les militants de RPG comme ça. En partant dans des réunions, il y a réunion par-ci, UFDG est le premier à être là-bas. Il y a réunion par-là, UFDG est le premier à être là-bas. On dit, il y a association, UFDG est le premier à mettre la main. Hey, tout le monde vient parler en votre nom. Pourquoi faire? Porte-parole. C'est le dernier, tu n'en as même pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous bousculer pour ça. On dit tout de suite mobilisation. C'est le dernier, n'est pas là-dedans. Vous ne verrez pas 500 personnes sortir. Vous ne pourrez pas voir 500 personnes sortir. Mais si c'est comme ça, là. Mais continuez votre combat. Continuez votre chemin. J'entends Dr Ibrahim Diallo, mais il est le plus bavard de tous les politiciens guinéens. Il est là il y a plus de 15 ans de cela. Mais il n'a jamais réussi à élire. Même un maire local, il n'a pas réussi à élire cela. Et c'est lui qui vient, il est le plus bavard. Il veut imposer son dictat sur tous les politiciens. Tu vois, il n'existe que dans les radios. C'est parti. Des partis qui n'existent que dans des radios, qui partent donner l'argent aux radios pour parler. C'est là-bas, ils existent uniquement pour tympaniser les auditeurs. Et RPG, mais ça aussi, c'est une association des gens qui voulaient voler l'argent de la Guinée. RPG aujourd'hui n'existe pas. Si UFDG était bien organisé, on n'allait pas parler de RPG. Moi, je n'ai jamais entendu dans les grands pays là, les partis, les républicains ou les démocrates courir derrière les petits partis. C'est les petits partis qui viennent dans leur parti. Et quand tu viens, on ne parle pas de ton parti. Mais tu viens comme ça, tu restes là-bas. Tu mènes le combat à l'air, non?
un parti qui veut grandir en Guinée, il dit à UFDZ, on va faire sous-7. Et UFDZ dit, oui, et ce dernier est venu, et quand il y a parole seulement, on lui donne la parole. Et ces derniers séjours, il commence à parler, il commence à faire l'éloge de UFDZ. Et tu vois tous les militants de UFDZ derrière ces derniers. Vous en avez besoin? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut fabriquer vos militants. Il faut fabriquer vos dirigeants de UFDZ. Vous n'avez pas besoin de Dr Ibrahim. Un parti plus de 15 ans, il n'a pas réussi à élire un maire local. Il n'a pas un représentant dans la sphère politique guinéenne. Nulle part. Il n'existe que dans les radios. On dit porte-parole, c'est lui qui vient. On dit chargé de communication, c'est lui qui vient. On dit président, c'est lui qui vient. On dit représentant du président, c'est lui qui vient. Et puis, partout où il passe, il dit ADC Bok, ADC Bok. C'est quelle coalition ça? On dit, c'est composé de combien de partis politiques? On te dit, c'est composé de plus de 100 partis politiques. Mais on lui dit, mobilise. Il ne peut pas mobiliser 20 personnes. Moi-même, je peux mobiliser plus que lui. 20 personnes, il ne peut pas mobiliser. Et ce sont ces partis qui veulent imposer leur dictat sur UFDZ. Un parti régional, un parti politique qui s'impose en Guinée. Et UFDZ. UFR aujourd'hui, ils n'ont pas de poids, mais toujours on parle d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que Sidia tient toujours la barque par ça là. Je suis un parti, je suis troisième force politique en République de Guinée. Il ne court jamais derrière un petit parti politique. Partout où il y a bruit, c'est UFDZ qu'on parle derrière. Partout où il y a bruit, UFDZ. Mais vous ne pouvez pas rester un peu tranquille, faire un travail de fond. Ce que vous avez mis dans les élections où Alpha Condé a volé UFDZ là. Ça fait le budget de la décennie de certains partis politiques ici. Depuis qu'ils sont créés, il y a plus de 20 ans, ils n'ont pas ces budgets. Ce que vous avez mis uniquement pour les élections, pour contrôler les élections, pour faire venir les résultats, ils n'ont pas ça. Mais c'est quoi le problème avec UFDZ, même? C'est quoi le problème? C'est Loudalé est le plus grand favori de ces élections qui doivent venir. Mais à cause de leur coalition, intercoalition, association, saucette, à cause de ça, là, il va perdre son aura. Regarde, à cause des porte-paroles, là. Tout le temps. Ouais, c'est Loudalé doit être porte-parole. C'est Loudalé doit être porte-parole. Il veut être porte-parole ou bien il veut être président de la République. Hein? Vous ne pouvez pas laisser tranquille les petits partis là, qui existent au moins, qui puissent mobiliser au moins 100 personnes. Non, vraiment, je ne sais pas comment les politiciens guinéens réfléchissent. C'est Loudalé à ta place aujourd'hui, si Makanira est là-bas. Si Makanira est à ta place aujourd'hui, je jure, même Doumbouya va le respecter. Un monsieur qui est respecté dans le monde entier. Et c'est lui qui court derrière les petits partis là. Les partis minuscules. Les partis poids plume. Poids paille même. Poids paille. C'est lui qui court derrière. Mais ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ça me fait plus que mal. On t'a berné une fois, on t'a berné deux fois. Tu as fabriqué des super ministres ici. Tu as fabriqué des super ministres d'État ici. Tout ceci, il faut qu'il passe par Loudalé pour être plus grand. Ça ne peut pas t'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas comprendre tout ceci. C'est lui qui veut être un plus grand blogueur. Il faut qu'il vienne insulter Loudalé. Il faut qu'il parle de Loudalé pour être grand. C'est lui qui veut être dans l'administration, il faut qu'ils viennent parler de Loudalé. Il faut qu'ils viennent parler de Loudalé pour être dans l'administration. Vous ne pouvez pas bouder ceci. Vous ne pouvez pas fermer vos yeux sur certaines choses. Association qui vient, tu viens rentrer dans le parti, mais tu commences par le bas. Tu oublies ton parti. Parce que souvent, ces partis ne viennent pas avec des militants. Ils viennent soit lui seul et trois personnes. Et puis on dit, ouais,
y a coalition avec ce parti. On te dit, montrez-nous les membres du parti. Ils ne sont même pas implantés dans leur quartier. À plus forte raison, en République de Guinée, ils ne peuvent rien apporter à UFDG. Rien, absolument rien. C'est une chose, Franck. Comment ça s'appelle votre vice-président là? Votre vice-président, Fode Oussou, elle veut bavarder la radio. Oui. Et puis, il ne s'est même plus baqué ces partis-là pour discuter, pour s'échanger. Un parti qui ne peut pas mobiliser 10 personnes. Pourquoi vous pouvez discuter avec ces partis? Vous avez vu les Républicains discuter avec un parti qui n'existe pas? Non. Mais vous aussi. Un peu de respect pour vos militants. Un peu de respect pour vos militants. Mettez-vous au moins au niveau des autres partis. Celui-là est vice-président de leur structure là. Vice-président dans le monde entier. Je ne sais pas si c'est socialiste ou bien si c'est républicain. Là. Je ne sais pas. Il est vice-président dans le monde entier. Et dans son parti, il continue à courir derrière les petits partis. Les partis minuscules. Les partis qui n'existent que dans le sac. Et puis, il fuira tourner et tombe comme la radio. Il n'existe que dans les radios. Nous-mêmes, on n'est plus suivi que ces partis. Il n'existe que dans les radios. Mais respectez au moins un peu ceux qui se tuent pour vous. Respectez un peu au moins pour ceux qui insultent pour vous sur les réseaux sociaux, ceux qui se battent pour vous sur les réseaux sociaux. Respectez-les. N'importe quoi. Voilà. International libéral. Merci beaucoup, Ablaïba. International libéral. Vice-président dans le monde entier. C'est pas en Guinée, hein. C'est pas en Afrique seulement, mais dans le monde entier. Un monsieur qui est considéré dans le monde entier, à la tête d'un parti qui continue toujours à courir derrière des hommes qui n'en valent pas la peine, quoi. Respectez un peu vos militants. Respectez un peu la République de Guinée. Quand on est grand, on est grand. UFDG, Mamadou Sylla est le plus grand politicien en République de Guinée. Vous savez pourquoi? Il ne mobilise pas. Il n'a pas de personne derrière lui. Mais au moins, en République de Guinée, on ne peut pas parler des partis sans parler de lui. Celui-là, il ne fait rien sans aller consulter Mamadou Sylla, UDG. Un parti qui n'est rien. Mais qui vient dicter ce que les autres partis doivent faire. Tu entends, intercoalition. En République de Guinée, tous ces partis réunis là, je le dis, je l'assume, tous ces partis réunis là ne peuvent pas faire le poids devant UFDG. Donc pourquoi courir derrière eux? Pourquoi faire coalition avec eux? Coalition, l'affaire de coalition là, ça n'existe pas. Amunana, ça n'existe pas. C'est en Guinée seulement que tu entends ces affaires. Il n'y a même pas élection, on dit coalition. Il n'y a même pas élection, on dit coalition. Coalition, pourquoi? Pourquoi? Tu vois un parti comme PADES, un parti qui n'existe que dans les radios, qui n'existe que dans la télévision, mais qui a un grand homme devant. Je respecte bien M. Kaba. C'est un grand. Au début, c'était un parti familial. Mais aujourd'hui, c'est un parti médiatique qui existe dans les radios. Mais qui s'arrête, qui dit que si c'est Ludalé devient porte-parole, il va diviser. Et qui ne veut même pas sentir c'est Ludalé. Mais toi, tu vas concurrencer avec ces derniers, quelqu'un qui ne fait pas ton poids. Quelqu'un qui... Je parle du parti, hein, pas M. Kaba. Pas M. Ousmane Kaba. C'est un grand homme. C'est un grand monsieur à respecter. Mais je parle de PADES. Vous allez discuter avec PADES, pourquoi? 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 Fode Oussou n'a pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas discuter avec... Au moins avec RPG. Même avec UFDR, aujourd'hui, en ce moment-là. UFDG ne doit pas perdre son temps à discuter avec eux. C'est avec RPG, au moins en République de Guinée, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger. Mais pas avec les autres partis. Que ce soit PDN, que ce soit UFR, que ce soit PADES, que ce soit Bloc Libé. Regardez un parti aussi, Faya Milmon. Un grand monsieur, mais un parti qui n'existe même pas. Qui n'existe même pas. Il est parti coalition en coalition. Il est parti mouvement en mouvement. Il est parti association en association. Société en société. Jusqu'à présent, il ne se retrouve pas. Ce sont ces partis qui viennent insulter l'intelligence de UFDG. Mais par la complicité de certains dirigeants de UFDG. On continue là. Attendez, je vais voir. Il y a quelqu'un qui a levé la main, qui veut parler. Bon, je ne le vois plus. Franchement,
Wafala, c'est le dalembe, arabe à givé, parti rumour de voilà.